Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous allons devancer l'aurore pour sortir de tous les tombeaux et récupérer nos grâces par nos confessions. Ce matin, reçois l'injure prophétique de notre chantre Ismaël René Agabus, espèce de milliardaire, espèce de milliardaire. Shalom, bien-aimés, guerriers de prière. Je veux saluer ce matin tous nos frères milliardaires connectés, familles des peuples, connectés, guerriers, guerrières de prière. Bénissons notre Dieu en ce jour. Et comme le psalmiste le dit dans le psaume 108, je dois réveiller la lumière du matin. Réveillons donc la lumière de ce jour par nos confessions pour que toutes nos grâces nous soient redonnées. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, fais cette déclaration avec moi. Seigneur, quand tu t'es révélé à Josué, en Josué 5, à partir du verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où il était est un lieu sanctifié. Père, le lieu où je commence ma prière ce matin, je le sanctifie des quatre points cardinaux et j'y jette le sel. Bien-aimé, tu peux prendre ton sel prophétique. Et si tu n'as pas de sel prophétique, fais ce geste. Ce geste que je fais, il est aussi pour toi, afin que toute la gloire soit rendue à Dieu et que ce lieu soit sanctifié des quatre points cardinaux quand tu vas commencer ta prière. Je le sanctifie des quatre points cardinaux et j'y impose la domination de Dieu et des saints anges au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Proclamons notre gloria patri, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés, invitons la Sainte Trinité et notre Saint-Ange gardien et nos saints patrons en disant, Jésus, Marie, Joseph, Anne et Joachim, je vous donne mon cœur, je vous donne mon âme et ma vie. Mon Dieu, par cette eau prophétique, bien-aimé, prends ton eau prophétique, par cette eau bénite et par le précieux sang de Jésus-Christ Nazareth, mon Sauveur, fais-moi miséricorde et fais également miséricorde à tous mes parents et à toutes les âmes du purgatoire. Bien-aimé, asperge l'atmosphère spirituelle de ton lieu de prière, asperge ta maison. Et si tu es déjà au bureau, sache que ce que je fais aussi, c'est pour ton bureau. J'annonce, j'inverse le sang de Jésus dans tous ces endroits pour que ce lieu soit sanctifié par le sang de l'agneau. Prie avec moi. Mon Dieu, je t'adore. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Créateur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé tout au long de cette nuit. Et ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que toutes les journées précédentes. Et si je dois t'offenser, Seigneur, corrige-moi. Sainte Vierge Marie, toi ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Saint Joseph, toi mon Père et le protecteur de mon âme, protège-moi. Mon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et saints patronnes, et vous tous, saints et saintes des églises catholiques, orthodoxes et romaines célébrées aujourd'hui, secourez-moi dans tous mes besoins, priez pour moi afin que Dieu me garde de toute mort subite, de tout accident, de toute noyade, de tout feu, de tout péril, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons annuler à présent tout rêve des ténèbres qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et la Bible nous dit en Daniel 4, à partir du verset 19, alors Daniel nommé Belshazzar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Prie avec moi. Au nom de Jésus, j'en eus tout rêve des ténèbres avec le sang de l'agneau, tout rêve de mort, tout rêve de pauvreté, tout rêve où les sorciers me maintiennent et veulent m'imposer leur domination. J'en eus ces rêves au nom de Jésus et je récrée la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait et c'est fait.
Et implorons la miséricorde de Dieu dans notre cheminement d'intercession ce matin. La Bible nous dit dans le psaume 69, à partir du verset 6, « Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon. Je veux avouer ma faute et me repentir devant toi pour tous mes péchés de désobéissance, d'endurcissement, de rébellion, d'impureté, de vice qui ont attiré dans ma vie la colère, la malédiction. Je veux te donner aussi tout ce qui m'éloigne de toi, qui m'empêche de vivre pleinement en harmonie avec toi. Oh Dieu, aie compassion de moi ce matin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons entrer dans notre temps d'intercession prophétique et nous allons prier pour la stabilité de nos nations. Nous allons prier pour nos pays. La Bible nous dit dans le psaume 67, à partir du verset 2 et 3, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse, qu'il fasse lui sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Alléluia. Prie avec moi. Jésus, trois fois nous prions. Jésus, 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 Seigneur, je te supplie d'accorder aux hommes et aux femmes qui dirigent cette nation et ces nations de la sagesse, mais aussi qu'ils soient saisis d'une sainte crainte de toi, afin qu'ils prennent des décisions qui sont en accord avec ta parole. Qu'un vent de justice se lève, afin que tous ceux qui sont corrompus, violents, amis du mal, soient destitués de leurs fonctions et remplacés par des hommes intègres, par des femmes qui aiment ce pays et qui craignent l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est fait. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à se marier et qui sont en difficulté en couple. Alléluia. La Bible nous dit en Proverbe 5, à partir du verset 3 et 4, « Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'abstine, aiguë comme une glaive à deux tranchants. » Alléluia. Jésus, trois fois nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Toute fiançaille spirituel et tout dot ou mariage mené en mon nom, soyez dissous et annulés par le sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Prie encore avec moi. Oh Dieu, Seigneur Jésus, envoie ton feu dans la fondation de ma vie et consume par la foudre mêlée de souffle tout rapport maléfique, tout pacte démoniaque, toute décision de mes ancêtres assignée à disgracier ma vie maritale au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie encore avec moi. Père, toute flèche de la femme étrangère, incantation, envoûtement qui trouble mon foyer, retourne à l'envoyeur et je détruis ton pouvoir, je détruis ta confiance et ta vantardise dans tes fétiches au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie encore avec moi. Tout bastion, toute forteresse de la maîtresse construite autour de ma vie, autour de mon foyer, autour de mon époux, autour de ma vie conjugale, je t'ordonne de t'effondrer comme Jéricho s'est effondré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour l'enfantement. La Bible nous dit en Ésaïe 54, à partir du verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Jésus, trois fois nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, j'ai détruit tous les blocages et tous les verrous mis par l'ennemi sur moi-même, par mes paroles ou même mes pensées négatives et qui m'empêchent d'avoir un enfant. Brisez-vous au nom de Jésus. J'ai détruit tous ces verrous et tous ces blocages par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit sang de Jésus trois fois et nous allons appeler, nous allons donner des noms à nos enfants. Alléluia.
Tu vas attraper tes entrailles et tu vas donner ce nom. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. J'appelle mes enfants. Donne des noms à tes enfants. Donne-leur des noms des saints. Alléluia. J'appelle mes enfants. J'appelle David. J'appelle Ruth. J'appelle Élisée. J'appelle Chrysostome. J'appelle Moïse. J'appelle Élie. Au nom puissant de Jésus. Et je commande au nom de Jésus. Que tout ennemi caché agissant dans le secret, dans l'arrière-plan, pour m'empêcher d'enfanter, soit exposé par la lumière du feu du Saint-Esprit et qu'il meurt au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est fait. Prie encore avec moi. En Jésus-Christ Nazareth, confesse cela. En Jésus-Christ Nazareth, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je m'autorise dès maintenant, aujourd'hui même, dans ma pensée et mes cellules, sont autorisés à recevoir les semences pour l'enfantement, à recevoir la vie de l'enfantement, à recevoir au nom puissant de Jésus. Je confesse et je déclare que j'enfante. Je confesse et je déclare que tout mon corps est rentré en mouvement pour que je puisse rentrer dans l'enfantement, pour que je puisse être fécondé au nom puissant de Jésus. C'est fait et c'est fait. Alléluia. Et nous allons prier pour le travail et la promotion. Bien-aimés, nous sommes dans notre temps d'intercession. Et nous disons, la Bible nous dit en Daniel 8, à partir du verset 5. Daniel 8, à partir du verset 5. Daniel 8, à partir du verset 5. Alors Belshazzar ordonna, et il revêtit Daniel d'écarlate et de myrrhe, une chaîne d'or autour de son cou. Et lui firent une proclamation qui serait le troisième souverain du royaume. Alléluia. Milliardaire ou pas milliardaire, bien-aimé, tu es un milliardaire et qui sera honoré de la même manière Daniel a été honoré. J'ordonne que tout rapport maléfique planté par l'ennemi dans la pensée de quiconque contre ton embauche, contre ton élévation, soit détruit par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu, envoie tes anges pour déplacer tout rocher. Pour déplacer tout rocher. De la même manière, les anges sont descendus et ils ont levé le rocher qui couvrait la tombe de Jésus. Qui déplace tout rocher. Qui bloque ton embauche. Qui bloque ton élévation. Qui bloque ton avenir. Au nom puissant de Jésus. Prie encore avec moi. Oh Seigneur. Je cherche ta promotion aujourd'hui parce que c'est seulement toi qui fais la promotion. Positionne-moi stratégiquement, positionne-moi et que les circonstances stratégiques, papa, me positionne encore dans mon travail, dans mon lieu de travail, dans tous les compartiments, papa, de mon lieu de travail et surtout dans mes affaires au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie encore avec moi. Oh Seigneur, donne-moi des idées créatives et de la sagesse dans mon travail. Propulse-moi dans la grandeur, comme tu l'as fait pour Daniel à Babylone, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ange Dieu vivant, ange Dieu, parcourez la terre des vivants et des morts et récupérez toutes mes richesses, récupérez mon bonheur, récupérez mes richesses, récupérez mes affaires, récupérez mes richesses enterrées au nom puissant de Jésus. Prie encore avec moi. Père Céleste, où est mes yeux pour voir les richesses enfouies dans les lieux secrets? Où est mon intelligence pour opérer, pour avoir l'intelligence, la sagesse de savoir investir pour que Dieu me bénisse? Alléluia. Que mon ange de bénédiction me localise au nom puissant de Jésus. C'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier aussi pour l'obtention de nos papiers. Nous allons voyager, nous allons voir aussi dans tout le monde entier. Nous devons avoir ces affaires aussi dans le monde entier. Donc, nous devons voyager. Alléluia. La Bible nous dit en Juge 18, à partir du verset 5 et 6. Il lui dit, « Consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur dit, « Allez en paix. » Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Alléluia. Jésus, trois fois nous prions. Jésus, 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 cieux de la faveur de Dieu, ouvrez-vous sur mon projet de voyage et j'efface toute marque de rejet sur mon passeport par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pierre démoniaque posée sur mon visa soit roulée par les anges du Dieu vivant. Que toute pierre démoniaque posée sur mes documents administratifs, mon titre de séjour, mes ACD, mes titres de propriété, explose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je rentre dans l'accomplissement
de la vision de Dieu dans ma vie. Je voyage au nom de Jésus. Il dit, allez en paix, parce que Dieu a le regard sur mon voyage. Au nom de Jésus, je voyage au nom de Jésus. Amen. C'est fait, et c'est fait, et c'est fait. Alléluia. Et nous allons prier pour la délivrance. La Bible nous dit en Jérémie 21, verset 12. Maison de David, ainsi parle l'Éternel, rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Alléluia. Sang de Jésus, trois fois nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Par l'autorité du sang de Jésus, je déclare que tout accord que j'ai passé cette nuit en songe avec un quelconque esprit et qui me conduit en ce matin dans les liens maléfiques, je dis au nom de Jésus, soyez neutralisés par le feu, soyez neutralisés par le sang de Jésus, par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie encore avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise, papa, toute alliance et tout lien dans lequel je suis entré cette nuit, avec le diable, à travers les rapports sexuels, à travers les songes au Père, où je fais l'amour au Père, et qui veut empêcher la gloire de Dieu de se répandre en sur moi en ce matin. Père, que toute semence des ténèbres qui a été déversée sur moi soit ôtée par le sang de Jésus, soit ôtée par le sang de Jésus, soit ôtée par le sang de Jésus. Alléluia. Père, j'invoque ton feu pour consumer toute prison spirituelle dans laquelle l'ennemi a voulu m'enfermer tout au long de cette nuit. Que tout décret des ténèbres, de la sorcellerie qui s'est levée en ce jour contre moi, soit consumé par le feu. Je révoque tous ces décrets des ténèbres au nom puissant de Jésus. C'est fait, c'est fait et c'est fait. Nous allons prier pour la guérison pour tous nos frères et sœurs qui sont fatigués. La Bible nous dit en acte 4, à partir du verset 10, « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Alléluia. Feu du Saint-Esprit, trois fois nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Prie avec moi. Oh Dieu! Dieu de ma délivrance, je refuse qu'un médecin, par son diagnostic, installe la maladie dans ma vie. Je refuse qu'un médecin déclare le cancer sur ma vie. Je refuse et je décide du nombre de jours qui me restent à vie. Je refuse qu'on m'annonce que je suis atteinte d'un mal incurable par le feu. Je consume toutes ces décisions des ténèbres que l'ennemi veut utiliser pour installer la maladie en moi, pour installer la peur en moi, pour installer la crainte en moi. Je consume, papa, tous ces diagnostics des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec moi. Oh Yahvé, je refuse qu'on m'attribue de l'hypertension, le diabète, la sclérose, le VIH, la cirrhose de foie, l'hépatite, la dépression. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes ces malédictions en remontant jusqu'à Adam et Ève. J'inverse la malédiction, j'annule le poison en moi qui remonte de ma lignée ancestrale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre moi par toute personne de ma famille et qui a confié c'est que je suis malade, que la maladie dont je souffre est héréditaire, que la maladie qui est en moi est héréditaire. Je consume, papa, tout pouvoir d'hérédité de maladie au nom puissant de Jésus et je sors de cette hérédité de maladie au nom puissant de Jésus. C'est fait et c'est fait. Alléluia. Bien-aimés, nous voici au terme de notre temps d'intercession. Remercions Dieu car nous sommes exaucés, guéris et guéris de prière. Je bénis Dieu pour vos vies, pour tout ce que vous faites dans la maison du Seigneur, en apportant vos dîmes, vos offrandes, vos charités, vos sacrifices, vos prémices. Vous pouvez toujours appeler la presbytère Josiane Amand à Chia au 01-02-11-96-07 et la sœur Florence au 01-01-31-51-06. Que Dieu vous bénisse, que toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.